Juan, alors, Tiens. je sais que tu allais venir aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai dit je vais lui faire ce tour parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Tu as déjà forcément quelqu'un que tu détestes, que tu aimes moins que les autres, que Ah oui. genre parce qu'il est Mon fils. non, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus fort, parce qu'il tu vois quelqu'un antipathique que tu détestes. Des fois tu manges avec, mais tu le détestes, mais tu joues le jeu, tu es là, tu n'oses pas lui dire. Mais Ça arrive. ouais. Mais imagine cette personne, Ouais. que tu aies la possibilité de lui jeter un sort. Alors, il est là. Voilà. Ta possibilité de lui jeter un sort. Tu sais, genre le truc vaudou, là. Imagine, tu lui fais. Tu appuies sur le front et paf, cette personne, tu lui envoies un petit sort dans le front. Pas mortel, mais genre une petite pique, tu peux lui faire sur le ventre, sur les bras, sur les jambes. Et bien, ce papier est spécial, et c'est un papier rétroactif. Je m'explique. Si tu lui fais une tache, par exemple, sur le ventre, hier, elle a eu mal. Tu imagines l'alibi? C'est trop bon. C'est-à-dire que tu peux être hier avec lui, en train de jouer au golf avec lui, mais je sais pas quoi, et d'un seul coup, il a mal au ventre, mais il sait que c'est pas toi, puisque tu étais avec lui. Eh bien, si tu lui fais maintenant, il a mal hier. D'accord. Ça Ah, crée un c'est grave. alibi. Putain, c'est fort ça. Eh bien, ça, tu lui fais ce que tu veux. Mais T'as le compris quelque pire, chose toi oui, tu as compris. C'est Ah facile. oui. Tu lui fais maintenant, mais il a eu mal hier. Ouais. Donc, ça veut dire, ce qui va se passer maintenant, ça s'est déjà passé. C'est déjà passé. Eh oui. D'accord. Pour ça, je savais que tu allais venir. Et tu penses donc à une personne que tu détestes. Ah oui. Eh bien, c'est cette personne-là que tu vas lui faire, mais tu vas lui faire où tu veux. C'est bizarre, il a la tête ronde et pas de cheveux, celui que je pensais. C'est fou, Oui, mais alors, hein. vas-y, après je continuerai mon histoire parce que j'ai Dis-moi. quelque chose à te raconter. Tu vas faire ça où tu veux. Est-ce que j'aurais pu le prévoir? Non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais où je veux, c'est-à-dire Ben, alors, tu peux le front, je le fais là. ventre, le bras droit, le bras gauche, le pied droit, le pied gauche. Tu en choisis un Bon, endroit que tu as envie de soit lui le faire mal. front, soit la gauche, soit la droite, soit les jambes, c'est ça? Soit le ventre. Soit le milieu là. Voilà. Ok. Donc on va faire. Voilà, c'est à cet endroit-là que tu as envie qu'elle ait mal, cette Ah personne. ouais, C'est ça? pas loin du cœur. Ouais. C'est fou. Alors, je vais te montrer un truc. Ça, c'est une carte de visite. Et c'est la seule que j'ai. Et ce papier, mais ça, c'est pour tout à l'heure. C'est la seule carte de visite que j'ai parce que j'en ai plus. Et hier, quand j'ai distribué mes cartes de visite, je me suis aperçu qu'il m'en restait une. Mais normalement, elle n'est pas blanche. Il y a ma adresse, mon logo, tout ça. Et au moment où je la distribue, j'ai eu mal quelque part. C'est ça qui était bizarre. Et en plus, cette carte de visite, elle a commencé à chauffer, elle s'est transformée. Et elle a tout effacé mon truc, et il y a eu ça qui a apparu. Hier, il y avait marqué mon nom. Là, il n'y est plus, je sais pas, il a dû disparaître. Donc ça voulait dire qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal. D'accord. C'est fort, c'est Oui. bizarre. Et là, t'en as qu'une. Eh bien, il n'y en a qu'une. Mais je n'ai pas fini mon histoire. D'accord. Parce que tu es venu avec ton fils, mais je le savais. Imagine que la même personne que tu as envie de lui faire du mal et tu as envie de lui brûler un des doigts, tu lui brûlerais lequel? Tu lui fais une tache, comme si ça s'était imbriqué, tu lui fais une tache sur le doigt que tu en as envie. Au bout. Au bout, voilà. Vas-y, fais une belle tache, voilà, comme si tu avais vraiment envie de lui faire mal. C'est fort. Mais tu vas pas me croire. Hier. C'est pour ça que je me demande. Il y a quelqu'un qui m'a fait mal au ventre et quelqu'un qui m'a fait mal au doigt. Et j'ai eu tellement mal que le mal, il est resté incrusté sur mon doigt. C'est fou, de Très la main gauche. Je me suis en train de me poser la question C'est pour depuis les tout autres à l'heure. doigts? Il y en a rien. Est-ce que c'est moi que vous détestez Non, le je t'ai dit, il n'y plus? avait pas de cheveux. Effectivement, t'as une cloque sur le même doigt. Je suis en train de me demander si vraiment, c'est pas le sort sur moi, que c'est parce que je fais des tours C'est meilleurs que pas. toi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toi, faudrait que je te retienne, toi. C'est pas. J'ai eu mal hier. Hier, je ne sais pas ce qui Salut. m'est arrivé. Mal au ventre, d'un seul coup, mal au doigt. Je regarde mes cartes de visite que je dois distribuer. Hop, elles sont effacées. Là, c'était pour me prévenir. Tiens, il y en a un qui t'a lancé un sort. Parce que moi, tu sais, moi, j'ai des alertes. D'habitude, c'est sur le téléphone, mais là, c'était sur mes cartes de visite. Et une alerte, il y en a un et j'ai dit, qui c'est ce Et salopard? c'était Juan. Et je me suis dit, tiens, il va sûrement venir au magasin et on va voir si c'est vraiment lui. Si tu avais Demande. fait sur le bras, j'ai dit non, c'était pas toi, mais je sais maintenant qui c'est, salopard.
Mais je t'aurai un jour. Et je l'aurai. Il est bien. Et ça, c'est la continuité donc de la poupée vaudou. La poupée vaudou. Que... C'est la continuité des billets de banque, des poupées vaudou, de tout ce qui. Elle est belle ou elle est belle? Elle est jolie. Elle est jolie. Bon, l'histoire. Elle est jolie. Mais je te retiens. Elle est jolie.